Camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, mes chers frères et sœurs du Libertako, gourmand peuple de Côte d'Ivoire, voici les terreaux qui devra mener les opérations au Burkina Faso. Le gars, il est en train de tout détailler. Chers camarades, c'est ceux-là que le journaliste ivoirien avait logé. Le journaliste du Côte d'Ivoire, Ouattara, cherche là. C'est ceux-là qu'il avait. Le gars est en train de casser les papos. Il est en train de casser les papos, chers. Non, mais on l'écoute. On l'écoute, chers camarades, peu d'affaires. Je suis le commandant Zina Red, ex-commandant des forces spéciales. Sorry. Sans la douleur, sorry. Ahmed, sorry. J'ai été interpellé à la gare Rainbow, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour vous montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Et effectivement, on a bougé un matin. Et quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un minot quand ils sont venus me chercher. Arrivé à Yendi, le binôme dit que son chemin s'arrête là, que c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît où se trouve tout le nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures jusqu'au terminus du bus Malamville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Et arrivé là-bas, le petit a appuyé, il mit les appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai mis des doutes, mais bon, il n'y a pas de souci. Donc, dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas mis à transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux ont été interpellés par la police pour le contrôle approfondi. Et que s'ils n'ont rien contre eux, ils vont les relâcher avec le prochain carnet. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport, j'ai fait le compte rendu. Mais d'animal, le compte rendu au courant urbain, le compte rendu au civil, Barry Bouakar, Barry Aboulay, tant que moi. Donc, quand j'ai fait le compte rendu, j'ai dit, ok, je vais attendre un peu, peut-être qu'avec le problème des derniers cas, ils vont les relâcher, ils vont venir. Le tennis qu'au dernier cas, c'était LAS. Donc, j'ai fait le compte rendu à Barry Aboulay, j'ai dit, ah, le dernier cas arrivé, c'est LAS. Et je demande, mais comme ça, là, que je fais comment? Il y a un monsieur que je vois pour la première fois. Donc, je ne sais pas comment je dirais. Il dit, ok, il y a un de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a un de ses amis qui m'a appelé. C'était Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une auberge. Barry Abdoulaye, c'est un journaliste. Normalement, les hommes, c'est initialement lui. Ousmane qui devait me montrer où se trouve l'armement et les hommes et tout le nécessaire. Mais arrivé à Yendi, son binôme m'a fait comprendre que c'est lui qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tout le nécessaire. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Barry Aboulay. Ce sont des centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes. Tout le monde était de AK-47. En armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. Initialement, Barry Aboulay, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que après, Ousmane a fait comprendre que le regard de l'histoire pour lui, serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Barry Aboulay a remis 80 millions à Ousmane. Donc, dès lors que le jeune homme aurait indiqué où se trouvent les hommes de matériel et les nécessaires, j'allais faire une réorganisation, une réarticulation. Et le parti, j'avais 4 travailleurs par derrière moi, le parti des travailleurs à chaque chef d'élément, on allait se mettre en mouvement.
camarades peuple d'Afrique. Je dis, on est à l'heure de la vérité. 2024 là. Où on entend en 2025. C'est l'heure de la vérité. La vérité éclate à tous les niveaux. On n'a pas encore fini avec les vérités de Robert Bougie. Voici les vérités chez camarade d'Amel Kinda qui vient péter tout. Il dit il a fait contre-rendu à Damiba. Donc Damiba est dedans. Il venait du Bénin. Parce qu'il a dit qu'ils sont arrivés à Malanville. Malanville, frontière Bénin-Niger. Et lui, il a été attrapé au Niger. Les deux petits-là avaient été arrêtés. Après, ils l'ont rejoint. Et lui, il est arrivé. Il a fait le compte-rendu à Damiba. Il a fait le compte-rendu à une personne, à Barry, à Abdoulaye Barry. Et donc, Abdoulaye Barry, lui, qui est journaliste, lui a dit qu'il va appeler quelqu'un d'autre qui avait le cherché. C'est là maintenant que Serge Mathurin rentre dans la danse, qui était le représentant du voyageur. Ils allaient prendre 150 personnes, non? Plus de 100 personnes de la Centrafrique. Qui allaient venir de la Centrafrique pour venir s'ajouter aux terreaux qui sont sur le terrain. 150 personnes. Les gars de Bozizé, là. Ils sont entre la Centrafrique et le Tchad. Ils allaient venir. Chers camarades, ils allaient venir. Pour venir fermer les attaques contre le Burkina Faso. Voici la vérité. Ceux qui disent qu'ils veulent preuve là. Voici les aveux. On attend les réactions. À cause de Dieu. Draman Ouattara. À cause de Dieu, il faut réagir. Parce que l'affaire de Robert Bougie, là, tu n'as pas réagi d'abord. On apprend que demain, tu vas te rencontrer avec ton cercle restreint à la rue Le Pic, tout ça là. Mais à cause de Dieu, il faut produire un communiqué. Il faut dire que Robert Bougie ment. Il faut dire que Serge Mathurin, là, il n'est pas terroriste à cause de Dieu. Le journaliste, le controversé journaliste qui est terroriste, qui a été arrêté par les Burkinabés au Niger, là, à cause de Dieu, il faut nous dire que c'est faux. Il faut réagir un matin, pardon. Même si tu n'as pas réagi officiellement, viens commenter vidéo ça là. Faut venir commenter vidéo ça. Et puis t'as dit c'est faux. Faut parler un peu vieux. Pas tellement que tu es pris la main dans le sac. Vieux délinquant. Le Burkina Faso là, c'est ta terre natale. Le Burkina Faso, c'est de là-bas que tu viens. C'est là-bas que tu es né. Tes parents t'ont enterré là. Ton cordon ombilical là, c'est là-bas ils ont enterré. Et tu ne veux pas voir le Burkina Faso de tes yeux. Mais tu es comment, Draman? Qui es-tu? Tu n'aimes pas le Burkina Faso? Tu détruis les Ivoiriens? Tu veux détruire les Burkinabés? Au Bénin, on dit, tu as raté le coup d'état là-bas, ton nom est sorti là-bas encore. Au Gabon, ton nom est dedans. Tu es partout. Tu es né comment? Draman, tu es né comment? Tu es comment? Moi, je veux savoir ça aujourd'hui là. Pourquoi tu n'aimes pas ceux qui aiment le peuple? Pourquoi tu es contre ceux qui aiment le peuple? Pourquoi tu ne veux pas sentir ceux qui aiment le peuple? En toi, on t'a pas demandé d'aimer ton peuple. On t'a pas demandé forcément d'aimer ton peuple. Mais ceux qui aiment le peuple, là, laisse-les en paix. Laisse-les en paix. Amis des Wubi, amis des Terotro, amis des rebelles, amis des bandits, toi Draman, tu n'es jamais ami des bonnes personnes. Tu es ami qu'avec les malheureux, les délinquants. Comment tu es né? Qui t'a mis au monde? Qui t'a créé? Tu as été créé où? Même si on dit que Satan prend possession de l'esprit d'un certain nombre de personnes, mais quand même, pas jusqu'à ce niveau. Et toi, tu es devenu piquer Satan, maintenant. Toi, tu es devenu piquer Satan. Tu ne veux pas laisser le Burkina Faso en paix. Tu es impliqué dans les affaires du Mali. Tu es impliqué dans les affaires du Niger.
On a appris même que le Niger, actuellement, là, il y a des sons au Niger, à Niamey. En réalité, ils voulaient frapper les trois capitales ensemble. Ils voulaient frapper les trois capitales ensemble. Niamey, Bamako, Ouagadougou. Ils voulaient frapper les trois capitales ensemble. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça, cher camarade? Et c'est Draman qui était au cœur de ce gros complot. C'est lui, Draman, qui était au cœur de ce gros complot. C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, hein. Moi, je le dis à tout le monde. Chasser Draman du pouvoir, là. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la mission. Ce n'est comme pas qu'aux Ivoiriens. Ce n'est pas un devoir qui est comble aux Ivoiriens. C'est un devoir patriotique qui appelle la contribution de tous les Africains, surtout nous qui sommes dans la sous-région ouest-africaine. Parce que nous, les premières personnes qui en font les frais de la délinquance de Draman Ouattara, c'est la sous-région. Mali, Burkina, Niger, et puis les autres pays, et puis la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens. Vous voyez ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens. Ce qu'il fait aux Ivoiriens, là, c'est pire. C'est-à-dire qu'il tue les Ivoiriens sans leur tirer dessus. Mais toi, tu es là et puis on casse ta maison. On casse ton commerce. Tu n'as plus rien. Tes enfants sont là. Tu n'as pas fait crise cardiaque. Tu n'as pas d'un fou. C'est pourquoi les gens se suicident en Côte d'Ivoire en cascade. Donc, il les tue sans les tuer. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on doit se mettre ensemble. On doit se donner les mains pour chasser Draman. C'est impératif. C'est impératif, il n'y a rien à faire. Donc, chers camarades, je vous demande de partager au maximum la vidéo avant que Facebook ne supprime, avant que les réseaux sociaux ne suppriment, avant que TikTok ne supprime, avant que YouTube ne supprime cette vidéo. Propagez-la partout pour atteindre le maximum de personnes à travers le monde entier. Pour que les gens sachent que, en réalité, le complot dont t'a fait mention le ministre burkinabé est bel et bien réel. Et voici les aveux. Voilà ce qu'il voulait vous dire, cher camarade. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.